Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog sympathique puisque je suis en vacances là toute cette semaine et j'avais vraiment envie de me faire un challenge, de refaire un challenge, lire 8 livres en 8 jours. J'avais fait récemment pendant mes vacances d'été 14 jours, 14 romans, c'était le pied intégral, j'ai adoré ce challenge et du coup j'avais hâte d'avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir le faire. Alors j'espère sincèrement que j'aurai du temps parce que quand on a une semaine de vacances, bah, y a plein de choses qui se mettent, voilà, retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, des répétitions, des choses comme ça, et donc forcément ça se remplit vite, mais j'espère quand même prendre un petit peu de temps pour lire. Donc mon but ce sera vraiment de lire 8 romans en 8 jours, mais s'il y a un graphique qui se glisse par là, bon, c'est pas grave, hein, franchement c'est pas très grave. Cette semaine coïncide aussi avec la première semaine du Black November, au cours de laquelle il faut lire des auteurs morts. Alors moi du coup j'ai commencé à fond mon Black November, j'étais trop contente. Je lirai peut-être d'autres choses qui n'appartiennent pas au Black November, mais je vais me concentrer principalement sur des romans plutôt noirs. Mais c'est pas impossible que tout d'un coup j'ai envie de lire un petit jeunesse, un petit graphique cosy ou un truc un peu fantasy, on sait jamais, c'est pas impossible, mais en tout cas c'est axé principalement sur du livre à tendance roman noir. Alors je suis en train de lire 2 livres à la fois, je suis en train de lire celui-ci qui est Le crime d'Halloween, une enquête d'Hercule Poirot de Agatha Christie, et je suis aussi en train de lire Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Ici on est clairement dans le thème hein, parce que la première page, une des premières pages nous décrit un cadavre hein, tout simplement, donc je pense que ça rentre parfaitement. Si j'avais encore des doutes, c'est clair que maintenant je peux dire que ça rentre dans le challenge du Black November. Écoutez, au niveau de la lecture du Hercule Poirot, l'enquête est très sympathique, donc on retrouve, enfin vous allez dire je suis complètement timbrée, mais une jeune fille se fait assassiner, elle est en fait noyée dans une bassine d'eau avec des pommes, donc elle fait un jeu lors d'une soirée d'Halloween, et dans ce jeu en fait on doit manger les pommes, je crois sans les mains, dans une bassine, un truc comme ça, et en fait on la noie dans cette bassine avec de l'eau et donc des pommes. Bah écoutez, c'est chouette pour entamer la soirée d'Halloween, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime bien cette enquête, par moments Hercule Poirot il me perd un petit peu avec des petites considérations par-ci par-là, mais sinon je passe un bon moment avec cette enquête, j'ai juste envie d'en finir en fait, parce que là ça fait 2 jours que je suis dessus, et je me rends compte que vraiment Agatha Christie j'aime bien, mais à petite dose, donc pas trop non plus sur 3 semaines quoi. Bon là ça fait 2 jours, c'est pas 3 semaines, mais j'ai envie de savoir qui a tué, j'ai envie d'avancer. Mais je passe un bon moment vraiment et ça convient tellement bien à l'ambiance franchement. Et alors je suis aussi, j'avais décidé de commencer aussi Ma cousine Rachel. Je suis à la page 33 de cette lecture. Je passe un très très bon moment aussi avec Ma cousine Rachel. Donc je pense vraiment que je passe une super semaine de lecture. Je pense que je vais prendre mon pied cette semaine, voilà. J'espère que les petits plans que vous avez vus ou que vous verrez juste après, je ne sais plus dans quel ordre je voulais le faire, j'espère qu'ils vous auront plu. J'ai pris le temps de filmer des petits moments de mes 2 jours de vacances. Je suis partie un petit peu dans une très jolie région de Belgique avec mes parents notamment, ça vous saurez toute ma vie, et franchement on s'est promené dans la forêt, j'ai vraiment profité pleinement de ces moments, c'était vraiment très très chouette. J'ai quand même profité pour faire quelques plans, pour partager ça avec vous, pour ceux qui n'ont pas forcément l'occasion de se promener dans la forêt ni quoi que ce soit, et pour moi aussi personnellement me faire un souvenir. Enfin, c'était vraiment magique pour moi, ces couleurs d'automne, ces champignons, vraiment les champignons. Je pense que j'ai une nouvelle passion pour les champignons. Les champignons, voilà, j'ai passé un très très bon moment et j'avais envie de partager ça avec vous, donc voilà. Donc ça, ce sont mes 2 lectures en cours. Et sinon, je vais vous parler de petites réceptions. Il y a des choses qui sont arrivées, d'autres dont je ne vous ai pas parlé dans le dernier vlog. J'avais acheté Je peux pas, j'ai tricot. En fait, c'est un livre que j'avais vu l'année dernière sur la chaîne de Sarah, Mrs. Bookie Ramon, parce qu'elle fait aussi du tricot. Je crois qu'elle en fait beaucoup plus que moi. Moi, j'en fais vraiment pas. Je suis vraiment pas quelqu'un de très assidu. Et du coup, quand je commence un truc, en général, j'abandonne. Enfin, voilà. Voilà ce qui arrive. Et elle avait partagé ce livre-là l'année dernière. Et en fait, je l'ai feuilleté. Et je vous avoue qu'il est vraiment très, très bien. Ça réexplique les bases pour ceux qui n'ont jamais fait de tricot. C'est vraiment chouette. Et je trouve que c'est bien expliqué parce que je trouve ça difficile d'expliquer avec des mots et des images, des points. Je trouve ça quand même plus facile en vidéo.
Mais franchement, j'aime beaucoup et il y a moyen de faire des pulls. Moi, j'ai envie de tester un pull qu'il y a là-dedans. Je crois que je vais commencer par... Bon, là, je termine mon écharpe, hein, mais j'aurais bien envie de faire un bonnet. Je crois que Sarah avait fait le bonnet l'année dernière et je le trouvais très joli. Lui, là, elle est très bien. Alors, je ne sais pas s'il m'irait à moi, hein, honnêtement. Mais j'ai envie d'en faire un jaune ou un vert sapin ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça cette année. Sinon, ce sera pour l'année prochaine. Et sinon, j'avais reçu, mais je pense pas que vous en ai parlé dans le dernier vlog, Radio Silence de Franco Manara. J'avais complètement oublié que Kamel Levy allait m'envoyer ça. En fait, on va suivre l'histoire de Zoé qui a trois papas. Je crois que ça doit être une histoire, là, vous savez, le film Mamma Mia, où l'héroïne, elle sait pas lequel est son père. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça, parce que, en fait, j'imagine que ce sont trois hommes qui s'occupent d'elle, ou j'en sais rien, mais en tout cas, ce sont trois hommes qui ont été avec sa mère Mélanie. On dit qu'un des papas est un animateur radio, un autre est un artiste et un autre est un flic. Et 8 ans après le suicide donc de sa mère, Zoé disparaît du jour au lendemain et le trio va partir à la recherche de cette fille et je trouve ça assez cocasse. Et en même temps, j'imagine qu'on est vraiment dans du roman noir. Moi, ça me tente beaucoup. Franchement, je trouve ça hyper original. Franchement, j'avais jamais vu un livre avec un pitch aussi original. Et j'avais reçu aussi dans le dernier vlog, je pense pas que je vous ai mis le petit plan parce que je trouvais le plan moche. Voilà, je l'avais zappé. Bon, j'avais reçu « Tu me manqueras demain » de Heine Backheit, qui était un livre que j'avais reçu aussi via le site, la plateforme Bipolar. Ici, on va suivre un ancien inspecteur de la police des polices qui vient de sortir de prison. Son psychiatre va lui demander de partir à la recherche d'un jeune homme disparu et j'en sais pas plus. Visiblement, ils disent que c'est un roman un peu gothique, paradoxalement flamboyant. On pense à Shutter Island de Denis Lehane. J'espère que ça spoil pas parce que quand on compare à Shutter Island, je trouve ça toujours un petit peu... Ouais, c'est pas... Je sais pas si c'est toujours une bonne idée. Et alors, j'ai reçu un colis de la part de Actes Sud. Il s'agit... je sais ce que c'est, je pense qu'il y a 2 cils dedans. Alors, j'étais censée recevoir 2 cils depuis un moment, qui est un livre, je pense, qui s'est perdu avec la poste. J'en suis vraiment désolée. Voilà, j'aime pas quand les livres se perdent par la poste et voilà, j'ai enfin reçu 2 cils, je suis trop contente. Je crois que c'est un tome de saga, donc il va rentrer dans la catégorie, je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, on doit lire un tome de saga pour le Black November. Et on va suivre l'histoire d'un homme qui est gravement blessé et qui va signaler un crime. Et en fait, on va découvrir 5 membres d'une même famille qui sont massacrés à coups de pierre. Écoutez, c'est tout à fait brillant comme histoire. Voilà, voilà. Et alors, il y a un autre livre. J'avais un peu oublié que j'avais demandé autre chose, décidément. Oh oui! Oui, 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 La tresse de ma grand-mère. Alors, il s'agit d'un livre de Alina Bronski. Je pense qu'il sort pas tout de suite, celui-là. Eh bien, écoutez, c'est un livre qui sort demain, le 3 novembre. Donc, alors, vous voyez cette vidéo, il sera déjà sorti. Et moi, je l'avais choisi, je l'avais sélectionné parce que le résumé était tout simplement original. On va suivre notamment une grand-mère qui aurait été une danseuse assez connue. Et là, bah, elle est grand-mère. Hein, et elle est dans un foyer de réfugiés où elle... Je crois qu'elle est un petit peu acariâtre avec toute sa famille. Enfin, vraiment, je sais pas trop ce que ça va donner, mais franchement, la description du roman me tentait beaucoup. Et pour terminer, 2 autres livres qui sont arrivés, et vous allez me dire que c'est quelque chose de tout à fait naturel, hein, puisque lors du dernier vlog, je vous parlais du coup de cœur que j'avais eu pour Le Château des Bois Noirs de Robert Marguerite. Et l'une d'entre vous m'avait dit qu'un autre de ces romans abordait les mêmes thématiques, vraiment les mêmes thématiques mais d'une manière beaucoup plus approfondie et du coup bah, ça m'a énormément tentée parce que comment vous dire que ça a été un énorme coup de cœur pour cette ambiance automnale, mystérieuse, un peu poisseuse, ces personnages très torturés, cette histoire d'amour passionnée. La Terre aux loups de Robert Marguerite, voilà, il est plus gros du coup que l'autre, je sais pas si j'ai envie de lire le résumé, je vous avoue, parce que j'ai vraiment envie d'avoir la surprise parce que j'imagine que si on a les thèmes un peu similaires, on a peut-être un peu le même genre d'histoire, donc je vais vraiment pas lire le résumé. Et c'est nouveau chez Libretto, qui est une maison d'édition que j'adore, Phoebus Libretto, ils font vraiment un travail de fou au niveau de la mise en page, c'est hyper confortable. Bon voilà, on s'en fout, hein, mais moi je m'en fous pas. Et alors, un livre qui est arrivé, et alors là, il est aussi de chez Libretto, c'est un livre...
qui est dans ma wishlist depuis très très longtemps et que j'avais envie de lire pour Halloween ou en tout cas la semaine d'Halloween. Je sais pas si je vais le lire la semaine d'Halloween puisque c'est cette semaine-ci, mais je n'ai que 8 jours hein, dans cette semaine, 7-8 jours dans cette semaine, donc je ne sais pas étendre le temps non plus, mais j'ai vraiment envie de me lancer dans La Dame en Blanc de Wilkie Collins. Il est dans ma wishlist depuis tellement longtemps et dernièrement c'est Flo de Flo & Books qui en a parlé tellement bien que ça m'a complètement donné envie de le lire, hein, clairement. Je pense que Flo, c'est vraiment une des personnes les plus douées pour parler des livres parce que souvent, on a des avis qui se ressemblent. Je trouve que c'est quelqu'un de très sensible et quand elle parle des livres, ça donne super envie. Et quand je lis les livres dont elle parle et qu'elle aime beaucoup, eh bien, souvent, mon avis rejoint le sien. Et donc, voilà pour La Dame en Blanc. Écoutez, je vais vous laisser là hein, parce que j'ai plein de choses à faire. Je vous retrouverai certainement dans d'autres petits plans. Ciao! Hello, je vous retrouve, c'est le jour 6. Oui, c'est le 6e jour de ce challenge. Nous sommes donc vendredi et je viens un petit peu vous parler de mes lectures. Donc, bilan de ce challenge de lire 8 lectures en 8 jours, j'ai lu un roman. Alors, je me rends compte quand même que les romans que j'ai sélectionnés, c'était peut-être pas très intelligent puisque le premier que j'ai terminé fait 300 pages, le deuxième que je suis en train de lire fait 450 pages, donc... C'est vrai que c'était pas très malin, hein. J'aurais dû mettre des livres très très courts et là j'ai... Voilà, c'est pas grave. Écoutez, le but c'est de prendre du plaisir hein, en lisant, de s'amuser et de passer un super moment. Et donc moi j'ai validé déjà mon Black November semaine 1 puisque j'ai lu Un auteur mort, j'ai lu Agatha Christie, j'ai lu Le crime d'Halloween, une enquête d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Alors c'est une lecture, je pense que je vous avais déjà un petit peu résumé, qui nous raconte l'histoire d'une romancière âgée qui est une amie d'Hercule Poirot et qui va assister à une soirée d'Halloween. Durant cette soirée d'Halloween, il y aura des petits jeux pour les enfants. Et en fait, il y a une jeune fille qui va dire, à un moment de la soirée, elle va dire « Moi, j'ai assisté à un meurtre. » Et quelques minutes, une heure plus tard, elle va en fait être retrouvée noyée dans une bassine pleine d'eau et de pommes. Et donc, bien sûr, notre héroïne va faire appel à, j'allais dire Sherlock Holmes, n'importe quoi, à Hercule Poirot pour faire son enquête. Et donc voilà, on va rentrer dans cette enquête. On a toujours cette ambiance petit village, tout le monde se connaît, enfin voilà.
Alors, c'est une lecture pour laquelle je suis un petit peu mitigée. Premièrement, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour lire ce livre. En fait, au final, j'ai profité un petit peu de mes vacances pour voir les gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Profiter aussi pour se reposer un petit peu. Et c'est vrai que, du coup, j'ai lu ce livre sur 4 jours, dimanche, lundi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, non, sur 5 jours. Et c'est vrai que, je le précise, je crois que ça a un petit peu entaché ma lecture parce que je pense qu'Agatha Christie, c'est pas un livre pour moi qui doit se lire sur tant de jours. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit se lire sur 2 jours, que je, moi, dois lire, que je dois lire, moi, sur 2 jours. Mais vraiment, si je le traîne sur presque une semaine, c'est un petit peu long, en fait. Et du coup, je me lasse, en fait. J'avais envie de passer à autre chose. Et c'est vrai que Hercule Poirot finissait par me lasser. Alors, bien sûr, j'ai passé un bon moment, hein, c'était chouette. Mais c'est vrai que les 2 derniers jours, j'avais envie d'en finir avec cette histoire. Je voulais savoir qui avait tué. C'était bon, c'est fini. L'enquête est sympa, c'est juste que, comme je vous dis, hein, ça a pris beaucoup de temps pour moi pour le lire, et du coup, bah, toutes les avancées dans l'enquête, Hercule Poirot, tous ces dialogues, tous ces monologues d'Hercule Poirot ont fini un petit peu par m'agacer, je vous avoue. Et comme c'est vrai qu'avec ma cousine Rachel, qui est le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est le troisième livre là récemment que je lis qui date un petit peu ici. Ce livre date de 1969, Le Château des Beaux-Noirs date des années 50, 1954. Et ma cousine Rachel, c'est pareil, enfin voilà, ça date. Et c'est vrai que là, je suis dans 3 univers, l'un après l'autre, qui, c'est vrai que on n'a pas une image de la femme hyper moderne, bien sûr, c'est normal. Les réflexions de Hercule Poirot au sujet des femmes sont à l'ancienne, bien sûr. Donc, comme c'est le troisième livre que je lis là, dans cette, avec certaines remarques comme ça, je crois qu'il y a aussi des remarques racistes, hein, voilà. Et ça me, enfin voilà, beaucoup de remarques sur les étrangers, notamment. À un moment, on parle d'une gouvernante, enfin d'une fille au pair qui est, je pense, russe ou polonaise, je ne sais plus. Mais elle en ramasse, hein, parce qu'elle est étrangère. Voilà, je vous avoue que je pense qu'après ma cousine Rachel, je vais me lancer dans une lecture un petit peu plus moderne, en tout cas avec moins de choses comme ça. Hein. Voilà, ça me crispe un petit peu, mais bien sûr, c'est, enfin, cette époque, je dis pas que c'est normal, mais c'est d'époque et c'est vrai que c'était courant et j'avais déjà remarqué ça, hein, dans les autres Hercule Poirot, cette peur féroce de l'étranger. Voilà, c'est très présent. Et donc, c'est une lecture plutôt mitigée pour moi pour le crime d'Halloween. J'allais dire de Noël. Je suis pas à Noël. Je suis pas du tout à Noël. Hein. Je fais pas partie des gens qui sont déjà à Noël. Je vais attendre encore quelques semaines parce que moi j'ai attendu toute l'année l'arrivée de l'automne. Bien sûr, j'étais déjà en automne quelques mois avant, mais moi je veux en profiter un maximum de cet automne. Donc ne me donnez pas du Noël et du. Hein? Non, je ne suis pas prête. Je suis en train de lire ma deuxième lecture qui est Ma cousine Rachel qui rentre aussi dans le cadre du Black November, qui est un livre. Qui nous raconte l'histoire du jeune Philippe, qui est un garçon qui a été éduqué par son cousin Ambroise. Il est fou de son cousin Ambroise, il le vénère un petit peu. C'est vraiment quelqu'un qui est très important pour lui. Et son cousin va de temps en temps à l'étranger pour des raisons de santé. Et un jour, donc Philippe est à la maison, il attend le retour de son cousin. Et un jour, son cousin lui annonce qu'il va rester un petit peu plus longtemps et il va commencer à lui envoyer des lettres en lui disant qu'il a rencontré quelqu'un et que voilà, il a rencontré quelqu'un qui serait une cousine éloignée, Rachel, et donc il l'a épousée. Il a épousé Rachel. Et donc, notre ami Philippe, il le prend très mal, en fait. Hein, quand il a la lettre qui annonce le mariage de son cousin, il le prend très très mal. Je pense que c'est un petit peu de la jalousie, un petit peu de la peur de perdre son cousin parce que il a toujours été le centre de l'attention et peut-être qu'il a peur de le partager avec une femme. Et c'est vrai qu'il a de nouveau. C'est pour ça que je vous parle de cette vision des femmes. Voilà, ils n'ont pas l'habitude de côtoyer des femmes et du coup pour eux, pour lui, la vision qu'il a de la femme est très 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 négative. La seule femme qu'il connaît, c'est une femme du voisinage qui n'est pas très sympathique et donc il a des images de la femme vraiment très violentes. Ça fait mal à lire hein, quand même. Et oui, donc il a beaucoup d'a priori alors que tout le voisinage est ravi d'apprendre le mariage d'Ambroise. Lui, Philippe, il est pas content.
Et un jour, il va recevoir deux lettres de son cousin qui vont un petit peu l'effrayer. Et je vous en dis pas plus, mais en tout cas, je peux vous dire que déjà, ça rentre très bien dans le cadre du Black November parce que dès le début, on a une description de cadavre, de quelqu'un qui est pendu, il me semble. Là, je suis page 138, je me régale de cette lecture. Déjà, c'est extrêmement bien écrit. Je trouve que la traduction est vraiment très bien faite. C'est vrai que petite note quand même, il y a beaucoup de coquilles et de fautes dans cette traduction du crime d'Halloween. Voilà, chez le livre de poche, en tout cas cette version-là, j'en ai vu quand même plusieurs, des coquilles assez violentes, hein, des choses qui font mal aux yeux. Et ici, qu'est-ce que c'est agréable à lire au niveau du style, c'est vraiment très très bien traduit. Je passe un moment extra avec cette lecture, j'aime énormément cette ambiance, j'aime énormément de nouveau ce côté développement de la psychologie de ce personnage. Philippe est extrêmement bien développé, on voit ses inquiétudes, on développe vraiment ce personnage, c'est vraiment très intéressant. À un moment, Philippe va se rendre en Italie. Et il arrive en Italie et vraiment les descriptions de l'Italie sont pas très glorieuses, hein. On a vraiment la sensation d'être dans une ambiance poisseuse, il fait très chaud, il sait pas respirer, y a plein de problèmes, les gens qu'il rencontre, oulala, voilà, ne sont pas très accueillants. Et en fait, cette vision qu'il a de l'Italie, elle est... j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, c'est une vision qu'il a parce que lui, il a peur, lui, il est dans l'attente d'avoir des nouvelles de son cousin, et du coup, comme il a envie de retrouver son cousin et qu'il a peur de ce qui va se passer, tout son regard sur ce pays est teinté de cette frayeur, est teinté de cette haine, en fait, hein, parce que franchement, c'est le pays qui lui a enlevé son cousin, puisque son cousin y est depuis un long moment, et donc lui, il n'aime pas ce pays, et du coup, ça vraiment, les descriptions font vraiment ressentir sa haine de ce pays, et voilà, on le sent très fort. Et franchement, je passe un super moment, j'aime énormément. Visiblement, donc, c'est sorti en 1951 et c'est un livre qui, de temps en temps, bah, met de nouveau en évidence des choses, des regards. Par exemple, on utilise le mot race, on utilise le mot nègre. Voilà, donc si vous êtes très sensible à ça, bah, sachez qu'on va retrouver ce genre de mots et que vraiment la vision de la femme est surtout vue par un homme de la haute société qui n'a jamais rencontré des femmes à part une gouvernante qui n'était pas très sympathique avec lui. Du coup, le regard sur vraiment les femmes est vraiment très cliché, très stéréotypé et ne fait pas envie, hein, clairement. Alors, j'ai commencé hier aussi une lecture parce que j'avais quand même aussi envie de lire des choses, ben voilà, pour essayer d'avancer un peu dans mon challenge. J'ai commencé Mémoire en cage de Thierry Jonquet. Alors, je suis à la page 26-27, je vais essayer de le lire un petit peu aujourd'hui. C'est un livre qui nous raconte l'histoire de Cynthia, qui est une jeune fille de 16 ans qui est, je pense, paraplégique. Je sais pas ce qu'elle a exactement, mais elle est dans un établissement où elle est en chaise roulante, elle ne sait pas s'exprimer, elle a toute sa tête mais elle ne sait pas s'exprimer, et je pense qu'elle a une partie, elle a quelque chose avec la nuque, je sais pas exactement, j'y connais rien en maladie et tout ça, donc je vous avoue que je ne peux pas décrire, mais en tout cas elle est en chaise roulante, elle ne peut pas parler. Et en fait, on sait qu'elle en veut très très fort à sa famille et au docteur Morier. Et de temps en temps, on a le point de vue de Morier et on voit qu'il déteste cette jeune fille. Il n'est pas très sympathique, hein, ce personnage Morier. En tout cas, ici, on est vraiment dans une ambiance déjà page 27, pas très accueillante. Hein. On a vraiment des personnages... Moi, la Cynthia, j'ai beau avoir toute l'empathie du monde et la pitié du monde, elle ne m'est pas très sympathique, cette Cynthia. Malgré des choses qu'elle peut subir et vivre, je vous avoue que je ne suis pas très fan de ce personnage, donc je ne sais pas trop où on va aller. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit peu avancé dans cette lecture et j'avais prévu aussi de lire. J'avais prévu de lire aussi Edogawa Rampo. Je crois que je vais aussi le commencer. Alors, ça fait plein de lectures à la fois, mais c'est vraiment très différent. Ici, on a des petites nouvelles, en fait. J'ai vraiment envie de découvrir cette auteur avant lundi, bah parce qu'il rentre dans la catégorie lire un auteur mort, parce que malheureusement il est décédé. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de le découvrir, donc je pense que ça fera pas trop double emploi, donc je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Voilà, j'ai essayé de nouveau de lire un livre audio, je n'en avais jamais parlé, mais c'est vrai que j'essaye de temps en temps parce que je me dis que ça peut être une solution pour des moments où je peux pas trop lire, où je suis dans le bus, il fait tout noir pendant une heure et j'ai envie quand même de lire, mais je ne peux pas puisqu'il fait tout noir et j'ai pas forcément envie de prendre ma liseuse tout le temps, donc voilà, je me dis qu'un livre audio ça peut être chouette pendant la course à pied et tout ça,
mais j'ai essayé 4 livres audio. J'ai essayé à 4 moments, situations différentes et je n'y arrive pas. J'ai essayé en faisant des petites choses à la maison, j'ai essayé en marchant, j'ai essayé voilà, à plusieurs occasions et vraiment je n'accroche pas. J'ai vu dernièrement le dernier vlog de Alex Bouquin en Prada qui parlait des livres audio et ça m'a donné encore plus envie d'en découvrir, mais rien à faire, je n'y arrive pas en fait, vraiment. Je peux pas m'empêcher de penser à autre chose. Même en marchant, voilà, je marche un... Comme disait Alex, voilà, marcher un trajet que vous avez l'habitude de faire, et c'est vrai que c'est un trajet que j'ai l'habitude de faire, et j'écoutais La Bête Humaine de Zola, et je n'arrêtais pas de penser à autre chose, et puis tout d'un coup je me suis rendu compte qu'on était chapitre 2, et que le monsieur avait déjà raconté plein de trucs que j'avais déjà oublié, et je n'arrive pas. Voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir lire du livre audio, mais je pense vraiment que c'est pas pour moi, et ça m'énerve. Je me demande s'il y en a beaucoup parmi vous qui sont comme ça, qui n'arrêtent pas de penser, qui n'arrivent pas du coup à se concentrer sur quelque chose juste d'audio. Pourtant, alors radio, ça va, enfin j'arrive à écouter la radio, mais vraiment le livre audio, je n'y arrive pas. Je pense que c'est lié aussi à la manière dont je lis, puisque moi quand je lis un livre, j'ai tendance, je lis pas très vite en fait, hein, j'ai tendance, je dois lire absolument tous les mots et j'ai tendance parfois à relire les mots que j'ai déjà lus pour relire des constructions de phrases. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de relire parfois les phrases pour être sûre d'avoir bien compris. Et donc forcément avec le livre audio, on n'a pas cette possibilité de relire et je pense que c'est peut-être lié. Donc moi je suis quelqu'un qui lit quand même assez lentement. Donc je pense que c'est peut-être lié à la manière dont je lis aussi. Le fait que je relise plusieurs fois les mêmes phrases, ben, bien sûr à l'audio on ne sait pas le faire. Voilà, ça c'est pour mes petits essais livres audio. Sinon, là aujourd'hui je suis partie en vadrouille faire un tout petit peu de shopping. Je vais chez Filigrane, je vous mettrai peut-être quelques plans pour essayer de trouver un cadeau pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je vais peut-être prendre un ou deux livres pour moi. Je vais aussi passer chez Sous la Canopée qui est une boutique de plantes que j'aime énormément. Que, voilà, depuis qu'ils ont ouvert, je vais assez régulièrement chez eux. C'est une très chouette boutique dans le quartier Port de Namur. Et en fait, ils ont ouvert, oh là là, j'ai pu parler, une succursale. Ils ont ouvert une autre salle rue du Midi. Donc, je vais aller la découvrir aujourd'hui. J'ai besoin de quelques petites plantes. Alors, est-ce que je viens de dire que j'avais besoin de plantes? Non, bien sûr, j'ai pas besoin de plantes. C'est juste que dernièrement, je me suis très mal occupée de mes plantes. Je sais pas ce qui s'est passé pendant un mois et demi. J'avais d'autres choses en tête, j'y pensais pas trop. Et je me suis retrouvée avec des petites invasions, des petites... voilà, de voir un petit peu les soigner. Du coup, ce que j'ai fait ces derniers jours, c'est que je les ai un petit peu soignées, bichonnées. Et j'ai dû malheureusement en virer quelques-unes. Voilà... ça m'énerve. Et donc j'ai des petits pots, c'est surtout, principalement en général quand ça arrive, c'est surtout quand il y a des problèmes, c'est surtout les petites boutures et les choses avec des toutes petites racines, des tout petits pots qui vont un petit peu être plus sensibles forcément à tout ce qui est abandon de soins ou ce genre de choses. Et bien sûr quand une plante n'a pas été arrosée pendant longtemps, il y a souvent moyen de la faire reprendre, mais quand ça fait très longtemps, parfois c'est juste pas possible. Je suis pourtant pas du genre à laisser sécher mes plantes, hein. D'habitude c'est plutôt l'inverse, trop d'arrosage, hein. C'est plus le trop d'arrosage qui tue des plantes, mais là vraiment j'avais oublié des plantes, voilà, oublié, abandonné, je ne sais pas où était ma tête, mais j'en avais oublié. Et du coup sur mon étagère, sur ma bibliothèque, j'ai tous des petits pots vides et je suis un petit peu triste. Et donc je pense que je vais faire certaines boutures, même si c'est plus trop la saison, mais je pense qu'il y a moyen de, voilà, on peut s'en sortir. Je vais faire quelques petites boutures de plantes que j'ai et je pense acheter une ou deux petites plantes pour remplir mes petits pots parce qu'ils sont vraiment tristes là tout seuls, abandonnés et voilà. Donc je vais un petit peu vous montrer ce que j'aurais pris et donc je vous retrouve plus tard. Ce sera sans doute le jour 7 hein, que je vous présenterai ces petites choses. Voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler aussi de mes lectures. Mais vraiment, c'est quand même pas mal. Hein. Je me lance dans un challenge de lire le plus de livres en une semaine. Et je lis des pavés. Enfin, c'est pas des pavés, mais je lis pas des petits livres. C'est quand même pas très malin de ma part. Thank you.
je vous retrouve. On est le dernier jour de cette semaine, donc de lire 8 livres en une semaine, donc en 8 jours. Et donc c'est aujourd'hui que je dois clôturer mon challenge. Je pense que je vais encore vous prendre demain puisque je vais peut-être lire un peu ce soir et comme ça je pourrai clôturer le vlog le lundi. Donc je vais commencer par quelques petites acquisitions livraises puisque vous avez vu j'ai fait une petite sortie en librairie, la sortie filigrane du mois et j'ai trouvé quelques petites choses que je vais vous montrer. J'ai lu non pas un mais plusieurs livres, donc je vais tout de suite vous en parler, puis je vais vous montrer aussi les petites choses plantes qui sont arrivées dans ma bibliothèque récemment. Au niveau des livres de poche, j'ai trouvé L'étrangleur de Cutter Street de Anne Perry. Alors c'est un livre qui a été rentré dans ma wishlist à cause d'une série, il me semble. Alors, je trouvais pas la série extraordinaire, mais l'histoire m'intéressait beaucoup et en fait ça venait d'un livre de Anne Perry. Donc c'est Anne Perry, elle a écrit beaucoup de livres, notamment des petites enquêtes de Noël, c'est un petit peu historique. Et ici, en fait, on va suivre Charlotte Ellison, qui est une suffragette avant l'heure. Et en fait, elle regarde un petit peu les faits divers dans les journaux. Et un jour, elle va découvrir une affaire un peu sensible, avec une histoire, il me semble, de tuerie d'enfants ou de disparition d'enfants, même de bébés. Il me semble, si je me trompe pas, parce qu'il parle pas du tout de ça dans le résumé, mais dans la série que j'ai regardée, il y avait une histoire avec des bébés. Notre amie Charlotte va commencer à enquêter, elle va s'associer avec l'inspecteur Spitt de Scotland Yard, s'il vous plaît. C'est dans le Londres des années 1880, et je pense que vous le savez maintenant, si vous me suivez de faire un moment, tout ce qui se passe à Londres, moi c'est... Voilà, en Angleterre de toute façon, mais à Londres, oh là là, voilà, ça me tourne bien, surtout dans ces années-là. Alors, ensuite, j'ai pris deux fois le dernier message de Nicolas Beugley, qui est un petit livre de poche. Il est sorti en poche, en fait, il n'y a pas longtemps du tout. J'en ai entendu parler par plusieurs personnes, notamment Steph de Piketty, c'est peut-être Flo & Books aussi qui en a parlé. Il paraît que c'est vraiment très très bon. Alors, je ne sais pas si je vais lire celui-là ou Le Cri cette année. J'avais mis dans ma pile à lire du Black November Le Cri parce qu'il rentrait dans la semaine où il faut lire un livre avec la neige et des trucs en rapport avec l'hiver. Donc, je ne sais pas si je lirai Le Cri ou celui-là durant mon Black November, mais si je lis celui-là, ce sera dans la semaine où il faut lire un tome de saga, il me semble, et Le Cri, je le lirai plutôt aux environs de Noël, on est d'accord, fin novembre, quoi. Voilà. 1793 de Niklas Nat Ochdak. C'est un auteur, alors il est de quelle nationalité ce monsieur? Suédois. Alors c'est un livre que j'ai pris dans le cadre de la semaine, de lire un livre avec un chiffre dans le titre. Alors j'ai déjà une pile à lire bien rodée hein, pour cette semaine-là, mais peut-être que cette année je lirai celui-là aussi, parce que ça fait très longtemps qu'il me tente. J'ai juste un peu peur parce qu'on est en 1793 en France, et je pense que c'est un petit peu... Il y a un petit côté historique, alors autant là-dedans ça me dérange moins le côté historique parce qu'on est à Londres, mais je suis pas très roman historique, donc je sais pas encore si je vais me lancer dedans. Je vous avoue que j'ai pas regardé le résumé, je sais que c'est un thriller un peu glauque quand même, mais assez haletant, donc ça peut être une bonne lecture. J'ai ouvert la page, je suis tombée sur le mot moignon. Ok, j'ouvre une autre page, chatouillement au ventre. Bon, on verra. Voilà, voilà. Et le dernier, c'est un livre de Elisabeth von Arnim, c'est Père. Il y avait plusieurs livres de l'autrice qui me tentaient beaucoup, mais celui-là, il me tentait bien parce qu'on va parler notamment d'une fille qui est forcée de vivre, enfin qui doit encore vivre avec son père, qui a 65 ans et c'est un type un peu tyrannique, donc j'ai l'impression qu'on va être dans quelque chose de nouveau, de très psychologique, il fait super noir. Je crois que je vais vous éclairer un peu, ce serait, enfin m'éclairer moi. Voilà, je crois que c'est un petit peu mieux. Donc je pense que ce sera un petit peu un roman un peu psychologique. Qui va nous parler de la relation entre la fille et son père qui semble être un peu tyrannique. Moi, ça m'intéresse pas mal. Ils disent que c'est une chronique ironique et drôle de la chute d'un tyran. Enfin, j'espère qu'on nous spoil pas complètement parce qu'on dirait qu'on spoil complètement. Je ne sais pas. Et en fait, ce qui m'avait attirée chez Elisabeth von Arnim, c'est que elle a fait des études de musique. Donc souvent, j'aime beaucoup lire les auteurs qui ont fait un peu de musique et tout ça. Voilà, voilà. C'est sorti en 1931. Je pensais que c'était plus vieux. Ah non, ah bah voilà.
Bon, bah écoutez, c'est une autrice australienne, je pense qu'elle est née, oui, en Australie en 1866, d'une famille d'origine anglaise. Oui, c'est bien ce qui me semblait, et elle n'a pas du tout un nom ni australien ni anglais d'ailleurs. Je pense que son père doit être autrichien ou quelque chose comme ça. Voilà, ah non, mais c'est parce qu'elle va épouser, désolée, hein, le fil de mes pensées, c'est parce qu'elle va épouser un comte prussien. Qu'elle s'appelle Von Arnim, mais à mon avis, ça doit être son nom d'épouse. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà, ça, c'est les livres de poche. Je vais aller vite parce que j'ai encore des choses à vous dire. Vous avez vu, j'ai fait un petit tour chez Waterstones. Et vous avez certainement vu quelques plans de livres qui me tentaient beaucoup, notamment celui-ci qui est A Poem for Every Autumn Day. Alors, c'est un recueil de poèmes. Alors, ils ont une version, un poème pour chaque jour de l'année, mais déjà, ça coûtait un genou, un pied, une fesse. Voilà, ça coûtait super cher. Et je me suis dit, Isabelle, tu vas pas lire un poème par jour pendant toute l'année. Celui qui m'intéressait vraiment, que j'avais très envie de lire, j'avais vu passer sur une chaîne anglophone, c'est celui-là, puisque c'est pour les jours d'automne. Alors je suis un peu à la bourre, hein, puisqu'on est au mois de novembre, et voilà, il y a déjà les deux tiers du livre qui sont passés. Mais je pensais commencer aujourd'hui, ça, me lancer dans la lecture. Alors ici, aujourd'hui, on est le 8 novembre, non, le 7 novembre, et j'ai un poème de Shakespeare. Ouais, écoutez. Et en plus, on nous dit d'où vient le poème, ça c'est cool quand même. Et on nous dit un petit peu les circonstances du poème, et ça j'aime beaucoup, parce que quand j'ai des poèmes comme ça... Brut, parfois j'aime bien savoir d'où ça vient, qui l'a écrit, etc., à quelle époque et tout ça. Pour ça, j'aime bien savoir. Donc, je pense que je vais me lancer, c'est vraiment très court, hein. C'est une page par jour et j'ai vraiment hâte. Comme ça me fait un petit peu entretenir mon anglais qui n'est pas exceptionnel, hein. Et le dernier qui est arrivé, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Alors c'est un livre pour lequel j'ai très très peur. C'est un petit peu le craquage du mois, on va dire. En fait, ils avaient que la version reliée et moi je préfère. Les versions molles parce que c'est plus pratique à lire, c'est plus léger, je pense vraiment à mon dos. Ici, bah, ils n'avaient pas la version non reliée, donc je l'ai prise, je vous avoue que ça me tentait quand même. J'ai très très peur de ce roman parce que Jennifer Armentrout, moi je l'ai découverte il y a quelques années avec Lux et j'ai trouvé ça plutôt moyen. Je me souviens que le premier tome, alors il paraît que la suite est mieux, mais le premier tome était très très gnangnan, beaucoup de choses que j'avais déjà vues dans des livres du genre, et donc j'étais pas très fan de Lux. Voilà, je me souviens déjà à l'époque, parce qu'il y a un moment que j'ai lu Lux, déjà à l'époque je me disais, oulala, c'est pas fameux. Mais je me dis que c'est un autre genre ici, c'est une autrice qui a écrit ça plus tard aussi, on est ici dans du young adult, et c'est une histoire de royaume ennemi, rivalité. Une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son cœur. J'espère que la romance, je sais qu'elle fait souvent des romances assez importantes, j'espère que ça ne sera pas non plus trop en premier plan parce que vraiment, et il fait tout noir et je suis à 802 ISO quoi. Bienvenue en automne. Et voilà, bon, je vais voir un peu ce que donne ce livre. Je vous avoue que j'ai envie hein, vraiment de tester, mais je ne suis pas certaine qu'il me plaira. Donc je vous avoue que si à la moitié j'aime pas, je le revendrai. Voilà, ou je le donnerai. Je pense pas que j'aurai le temps de faire mes avis lecture. Je les ferai soit ce soir, soit demain, puisque j'ai lu des livres. Oui, des livres. Je pensais vraiment échouer complètement à ce challenge et ne lire qu'un seul livre. Mais j'ai utilisé mon bonus graphique et... J'ai terminé un roman que j'ai détesté d'ailleurs, je vous en parle tout à l'heure, mais je voulais quand même vous montrer les petites plantes, puisque je vous avais parlé du fait que je voulais aller chercher des plantes, puisque j'ai tout des pots, enfin une ou deux petites plantes vraiment minuscules à faire pendre dans ma bibliothèque, parce que j'ai des pots vides, voilà. Des pots vides, donc des desserts de plantes, on est d'accord. Je vous en avais déjà parlé. Et j'ai décidé pour finir de ne pas acheter 10 000 plantes et d'utiliser les boutures que j'avais chez moi et de les replanter. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous montre un petit peu des petits plants. J'ai replanté notamment une noya que j'aime beaucoup et elle avait des bonnes racines. Donc je pense qu'elle va cascader, ça va être beau. Il y a un pothos aussi. Il me semble qu'il y a encore un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'est. Et ah oui, je vous montre le pépéromia. Hope, je crois que c'est ça le nom, et alors j'ai acheté une, je vous montre aussi, une avorcia, ouais c'est ça, une avorcia, ou un aloès, je ne sais plus, un des deux, parce que je ne l'ai pas devant moi, donc je ne sais plus en le regardant. Je l'aime beaucoup, voilà, il remplit une petite tasse qui était un petit peu vide depuis qu'elle a perdu sa propriétaire, et je crois que demain, ou lors du prochain vlog, je vous montrerai un petit peu l'évolution des plantes qui sont dans la serre, puisque dans un des derniers vlogs, je vous avais parlé du fait que j'avais acheté une serre chez Ikea, et je vous avoue que c'est le bonheur, les plantes sont super heureuses.
Et donc je vous en parlerai soit dans ce vlog-ci, soit dans le prochain, mais j'ai trop hâte parce que franchement il y a des plantes qui faisaient aucune pousse et depuis qu'elles sont dans la serre, elles sont heureuses. Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Je suis super contente de vous retrouver parce que j'ai vraiment envie de vous parler de mes petites lectures. Alors vous vous retrouvez devant un... Voilà, un décor que vous connaissez, mais qui n'est pas le décor dont je suis la plus fière, puisque c'est la partie un peu honteuse de mon appartement, notamment cette bibliothèque ici, c'est la bibliothèque de service presse. Il y a quand même beaucoup de choses que je n'ai pas lues, hein, et qui sont à lire. Ici, c'est une bibliothèque de livres adultes qui ne sont pas de la fantasy, et il y a tellement plus de place que je suis obligée d'en mettre à l'horizontale. Je fais régulièrement du tri, ceci dit, là-dedans, presque toutes les semaines, il y a au moins 5 ou 6 livres qui partent de chez moi pour aller en magasin de seconde main ou en plutôt en donation. Et en dessous on a les livres jeunesse, donc ici des trucs ou des romances là, des livres jeunesse qui ne sont pas de la fantasy fantastique, puisque fantasy fantastique sont dans un autre rayon dans le couloir. Voilà, toute ma petite vie qui est vraiment passionnante. Alors je suis en train de réfléchir, parce que je suis en train de me dire que je dois changer le nom du vlog, puisque je voulais faire un titre du genre lire 8 livres en 8 jours, hein, comme j'avais fait lire 14 livres en 14 jours, sauf que là j'avais presque réussi, ici c'est un petit peu... J'en ai lu 3 sur 8, donc je trouve que c'est un petit peu mensonger de faire un titre 8 livres en 8 jours, même si c'est interrogatif. Je ne sais pas encore ce que sera le titre du vlog, du coup j'y réfléchis. Mais malgré le fait que je n'ai pas lu 8 livres en 8 jours, j'en ai lu 3 et demi parce qu'il y en a 2 qui sont en cours de lecture. Malgré le fait que j'ai pas réussi ce challenge, je suis quand même super satisfaite parce que bah, déjà j'ai validé ma première semaine du Black November en disant un auteur mort, puisque j'ai lu Agatha Christie, Le Crime d'Halloween, je vous en ai déjà parlé il me semble, donc je vais le mettre de côté. J'ai lu un deuxième auteur mort, donc j'ai lu un autre auteur mort qui est Mémoire en cage, enfin qui est Thierry Jonquet, hein, qui est décédé malheureusement en 2009, et c'est Mémoire en cage, et donc je vais vous en parler... Je rigole parce que je vous avais déjà teasé hier en disant que j'avais eu un livre que je n'ai pas du tout aimé. Eh bien, c'est celui-là. Voilà. Donc, dans ce livre, on va parler de différents protagonistes qui sont dans un hôpital. On va parler notamment d'une jeune fille, Cynthia, qui a 16 ans, qui est en chaise roulante et qui ne peut plus parler, qui est... je ne sais pas exactement son syndrome, je vous l'avoue, je n'y connais absolument rien, mais en tout cas, elle ne peut pas s'exprimer. Elle est... Alors, tout le monde autour d'elle suppose qu'elle a un QI de 30, sauf qu'elle, en fait, dans sa tête, on se rend bien compte qu'elle est un petit peu plus intelligente que ça, elle a pas mal de réflexions et on sent qu'elle est sur une vengeance, on sent qu'elle veut faire du mal à quelqu'un. Donc on va suivre le personnage de Cynthia, donc on est dans sa tête, on va suivre le personnage de Alain qui est employé en tant que surveillant pendant la nuit, donc dans cet hôpital, il est employé, on va suivre tout ce qui se passe dans sa tête et je vous avoue que c'est pas très glorieux, hein. On va suivre le personnage du docteur Maurier qui est un docteur qui travaille dans cet hôpital, on va suivre un peu ce qui se passe dans sa tête. Alors je vous avais dit dernièrement que je voulais lire un livre du 21e siècle parce que c'est vrai que me retrouver avec 3 lectures qui se passent dans les années 50 avec notamment bah, Hercule Poirot qui est quand même hyper, hyper macho, qui est pas très agréable, j'ai lu même qu'Agatha Christie en avait un petit peu marre de ce personnage parce qu'il est un petit peu désagréable, j'avais lu même que Agatha Christie en avait marre de ce personnage elle-même, donc voilà, et donc de lire plusieurs personnages comme ça dans Ma Cousine Rachel, on a cet homme qui n'a tellement pas l'habitude de voir des femmes que dès qu'il en voit, les descriptions sont pas très joyeuses. Hein. À un moment quand même, dans Ma Cousine Rachel, je fais beaucoup de détours pour parler de ce livre, à un moment dans Ma Cousine Rachel, il dit quand même qu'une femme est aussi gracieuse, cette femme-là est tellement gracieuse que ses mains ressemblent à des morceaux de jambon ou un truc comme ça, enfin bref, voilà. Donc on est avec des lectures et juste avant Le Château des Bois Noirs, bah voilà, pareil, un homme hyper rustre avec les femmes, tout ça, et je m'étais dit bon, je vais lire un livre du 21e siècle, ça ira peut-être mieux, mais non, c'est pire que tout, forcément, puisque ici on a des personnages... Aucun n'est agréable à suivre en fait, et particulièrement le personnage d'Alain qui n'arrête pas de penser à toutes les filles avec lesquelles il va coucher sans véritablement leur consentement, hein, parce qu'on voit, ses fantasmes à Alain assez vite et il parle vraiment, voilà, il dit que celle-là il va se la faire, enfin voilà, je vais pas dire tous les détails parce que voilà, il faut les lire, hein, c'est mieux, et vraiment sur un personnage épouvantable à suivre, aucun personnage n'est agréable à suivre, Maurier non plus, dès le début, personnage
Vraiment. Et en fait, l'histoire ne m'a absolument pas intéressée. Il y a des livres comme ça, dès que je rentre dedans, je suis tout de suite happée, j'ai tout de suite envie de tourner les pages, et celui-là n'en fait pas partie. J'ai commencé la lecture et je me suis dit, ouf, j'ai pas très envie de continuer. Mais comme je l'avais commencé, comme je sais que c'est un auteur que beaucoup de gens aiment bien, que j'avais lu Migal, que j'avais trouvé très bon, que je sais que mon papa est très fan de Thierry Jonquet, je me suis dit, bon, bah ça va peut-être s'améliorer, mais en fait, non, à aucun moment je ne me suis intéressée à cette histoire. On sait qu'on suit un petit peu la vengeance de Cynthia, on sait qu'elle cherche à faire du mal à quelqu'un, et je n'avais pas envie de savoir ce qu'allait se passer, ça ne m'intéressait absolument pas, j'ai vraiment pas apprécié cette lecture, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé, qui ont trouvé ça vraiment bien au niveau des retournements de situation, etc. Mais moi, rien ne m'intéressait, j'ai trouvé les personnages épouvantables. Je sais qu'il faut pas toujours s'attacher aux personnages pour apprécier un livre, mais là, j'en avais besoin quand même ne fût-ce qu'un enquêteur ou ne fût-ce qu'une enquête ou que sais-je. Ici, il y a rien qui m'intéressait vraiment, ça m'intéressait pas tout. En plus, je pouvais même pas le lire. En mangeant parce que tout me dégoûtait. Vraiment, je... Voilà, il est tombé, il va rester par terre. Ensuite, je me suis fait un petit bonus en lisant un graphique. Je me suis dit que je pouvais quand même lire un graphique, j'ai le droit de faire ce que je veux en fait de ma vie, de mon challenge. Donc, j'ai commencé La Lanterne de Nyx, qui est le tome 1 d'un petit manga que j'avais trouvé chez Slumberland l'année dernière. Et j'avais été attirée, en fait, il était dans le rayon manga un petit peu historique. Et j'avais été attirée par ce livre parce que on est en 1878 à Nagasaki et on va suivre en fait un petit magasin dans lequel on va revendre pas mal de produits un peu innovants que le patron de ce magasin est venu chercher à l'exposition universelle. Et donc ce marchand, il s'appelle Momo, alors son nom entier c'est Momo Toshi, a été donc à l'exposition universelle et est revenu avec plein de nouvelles inventions, de nouvelles choses. Et du coup, on va un petit peu présenter toutes ces nouveautés et on va suivre cette histoire dans les yeux de Mio. Alors je lis son prénom, je vous avoue je retiens pas vraiment les prénoms dans les mangas. On va suivre Mio qui est une jeune fille qui va postuler dans ce magasin pour trouver un travail et au début en fait sa maman lui dit sa maman vient pour postuler et dit voilà on aimerait que Mio postule là mais elle n'a pas vraiment de talent particulier, elle sait pas forcément lire, elle sait pas faire grand chose. Le seul talent qui pourrait, oui, éventuellement aider, c'est le fait qu'elle, en touchant les objets, elle sait voir le passé et le futur de ces objets. Donc c'est un talent assez chouette et forcément Momo va l'engager. Et donc on va suivre plusieurs petits chapitres avec plusieurs découvertes. C'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois, au début de chapitre, non, en fin de chapitre, on va parler de cet objet. Par exemple, à un moment, il décide de faire du prêt-à-porter et donc avec l'arrivée d'une machine à coudre assez folle. Enfin, déjà une machine à coudre en fait, hein, de base. Avec l'arrivée d'une machine à coudre, il décide de faire du prêt-à-porter et donc de vendre plusieurs vêtements de la même, avec le même patron. Et donc, c'est une nouveauté hein, qui arrive dans ce magasin. Et on explique à la fin du chapitre, on nous explique des petits points historiques. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas trop long non plus. Et c'est assez intéressant pour nous donner envie de découvrir les autres nouvelles, les autres découvertes. Franchement, moi j'ai passé un très très bon moment. En plus, il y a un petit côté attachant de ce personnage qui découvre son patron. Et le patron, moi je le trouve, j'allais dire coquinou, n'importe quoi. Je le trouve assez sympathique. Voilà, je l'aime bien. Je trouve que les personnages sont vraiment chouettes et j'ai vraiment envie de découvrir la suite. On est sur un format qui est un peu différent des mangas habituels, puisque les mangas habituels sont comme ceci. Et ici, bah, le format est un peu plus grand. C'est très sympa. Et franchement, j'aime beaucoup parce que du coup, c'est très agréable au niveau du confort de lecture. J'ai beaucoup aimé. Les dessins sont pas les dessins que je préfère, mais j'aime tellement bien l'ambiance que moi je vais aller découvrir la suite forcément. Donc ça c'est pour les trois lectures que j'ai terminées et je peux dire que j'ai lu 3,5 livres puisque je tire un petit peu puisque j'ai commencé le roman de Edogawa Rampo, enfin le recueil de nouvelles d'Edogawa Rampo, Un amour inhumain, qui est aussi un auteur décédé qui était pour le Black November. Alors c'est un recueil de 6 nouvelles qui ont été écrites j'arrive plus à parler, entre 1926 et 1955. Ce sont des nouvelles écrites par un auteur qui est particulièrement efficace dans les romans policiers, un peu fantastiques, un peu étranges, un peu des histoires vraiment étranges inspirées de Henry James et Edgar Allan Poe.
Donc, ici, on a 6 nouvelles, j'en ai déjà lu une. C'est vraiment une très chouette lecture. Alors, c'est particulier parce que comme on est sur un format nouvelle, la première histoire fait 35 pages, et encore, enfin, un peu moins avec les premières pages qui sont annulées. Voilà. J'ai vraiment bien apprécié, on va suivre une jeune dame, enfin une dame, je sais pas son âge, qui va parler de son époux décédé, et il va nous expliquer en fait le début de son mariage et comment ça a un petit peu dégénéré. Et ça va par des... Enfin franchement, ça... je me demandais où on allait aller et j'ai été un petit peu surprise, vraiment, vraiment de la résolution de l'histoire. Et c'est un récit qui s'arrête assez brusquement. Ça m'a un petit peu perturbée d'ailleurs parce qu'on a donc une réponse à nos questions et puis pouf, ça s'arrête. Et moi j'aime bien, c'est vrai, j'avoue, d'avoir aussi un après-révélation. J'ai toujours besoin d'avoir un épilogue ou quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que j'étais un peu perturbée. Donc je vois un petit peu vers quel style on va aller, vers quel univers on va aller. C'est vraiment très chouette, j'aime bien. Celui-là, je vais continuer à le lire cette semaine parce que ce sont des nouvelles et je me dis que je peux en lire une tous les 2 jours ou quelque chose comme ça et le terminer la semaine prochaine. Ça compte plus vraiment pour le Black November, enfin on s'en fout un peu, enfin, vraiment j'ai envie de le continuer, donc voilà pour ça. Et alors j'ai avancé dans ma lecture de ma cousine Rachel, j'arrive doucement et sûrement je crois que je suis au tiers, je suis à la page 168. Je passe un moment vraiment exquis avec cette lecture, je pense que je vous ai déjà fait un résumé. Même plusieurs fois, j'ai l'impression, de ma cousine Rachel. Je passe un très très bon moment avec cette lecture. Je me demande vraiment ce qui va se passer. J'ai beaucoup aimé. Je commence à apprécier beaucoup la création de ce personnage, la proposition de ce personnage de Rachel qui... Je peux pas trop vous en dire en fait parce que enfin, je suis vraiment... J'arrive à la moitié quoi. Donc là, bah, maintenant, je peux vraiment plus trop vous en dire. C'est aussi un livre que je continuerai cette semaine. Puis on est lundi, et là je vais commencer un nouveau vlog et une nouvelle semaine de lecture. Donc je vais prendre ces 2 livres avec moi, mais je vous avoue que c'est très difficile à lâcher. J'y pense souvent à cette lecture, donc c'est vraiment très très bon signe. Voilà, écoutez, je vais arrêter là cette vidéo. Je vais essayer de trouver un titre à cette vidéo qui vous donne quand même envie de la regarder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!